Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paper Mario Origami King. J'espère que vous allez bien. Des bruits de Sonic. Ah oui, bah oui, c'est vrai, les fameux bruits de Sonic Aventure. Vous ne m'arrêterez pas, ce sont des bruits de Sonic. Pouic, pouic. Bah non, mais c'est ceux de Sonic Aventure en plus, tu vois. C'est le même. Voilà, bravo, on a rebouché tous les trous. On regarde un trou. Donc, nous en étions. Vous en étiez. Vous en étiez au mode 1, au monde 1. Oh non, mais c'est dur de parler. Au mode 1, ouais, non, mais c'est pour ça, là. Il est trop tôt, il est trop tôt. On stream pas la journée. Il est trop tôt, là. On n'a pas encore réveillé notre cerveau. On n'a pas encore. Mais vous filmez pas. Si. Mais c'est pour ça que nos vidéos. C'est n'importe quoi et qu'il faut faire du montage dessus. Voilà, non, mais c'est pas anodin, c'est pas anodin. Du coup, voilà. Bref, on s'était laissé là. Je me suis un peu baladé en off, je dois avouer. Oh et en fin de compte, je trouve que c'est assez terrible finalement que ça sauvegarde tout le temps en fait. Quand tu changes de zone, ça sauvegarde. Heureusement, je n'ai rien fait. Mais imagine, j'aurais fait quelque chose. Ah, c'est dangereux les sauvegardes automatiques. Ouais. Je sais pas si. Bah non, on pourrait les désactiver. C'est pour savoir si tous ces cours de comédie ont fini par payer. 26 Bonjour. Mois comme 26, 26 quelque chose, c'est nul comme chiffre en fait. Mais non, c'est très bien 26. Très bien comme nombre 26, merci pour l'abonnement. Et bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Et bienvenue dans Paper Mario, le roi origami. Oh non, ne me mange pas. Yes, j'ai faim. Ah, toi aussi tu vas pouvoir affronter ton premier Goomba gargantuesque. Vas-y, viens là. Comme ça après tu te retournes et je te frappe. Parce que tu crois que je vais me retourner? Bah oui. Oh, j'ai cru que... honnêtement, j'étais en mode, c'est pas possible, tu vas voir, il y a une autre stratégie, il va falloir passer sur le côté, un truc comme ça. Mais même pas, je m'attendais à ce qu'il recule, tu vois, en marchant comme ça à l'envers. Comment allez-vous? Eh bien, nous allons bien. Nous allons bien. On a mangé une délicieuse omelette aux champignons aujourd'hui. Non. C'est vrai, t'as bien aimé. Ah ouais, moi j'adore les champignons. C'est un de mes trucs préférés dans la ça vie. Ça tombe bien, jouer à Mario, c'est... Mais j'avoue en fait, mais oui, mais Mario il a raison, tu vois. Tiens, j'ai pris des confettis. N'approchez pas, monstre, je ne me rendrai jamais, vous entendez? Jamais! Les sauvegardes sur le cloud sont pratiques pour revenir à une sauvegarde précédente. Oui, ça c'est la technique des gens. Déjà dans Donjon Mystère, les gens font ça. La technique des gens sur Splatoon. Ah non. Oui. Non, on peut pas faire ça sur Splatoon, on peut pas faire ça sur Pokémon et on peut pas faire ça sur Animal Crossing peut-être. Non, on peut pas faire ça sur Animal Crossing. Animal Crossing, ils veulent pas non plus que tu fasses des sauvegardes, c'est pas sympa. Bon, on a sauvé un petit Toad. Ce que vous allez diffuser sur la chaîne principale, mais oui. Mais oui, vous inquiétez pas. Je travaillais sur écrire le planning parce que ça fait un mois qu'on l'a pas changé. Et oh! Mais comme on est un peu submergé de vidéos, c'est vrai que... T'as droit à 3 déplacements. Ah, ça va alors. Bien joué! Faut que je lise aussi, hein, au lieu d'être en mode « Quoi? Comment je vais faire en 2 déplacements, là? C'est pas possible! » Tout cet entraînement dans la partie précédente! Et voilà. Oh, j'ai même gagné. Ah bon, d'accord, ok, c'était super important d'affronter ce petit Goomba en fait. Il semblerait. Bah, je dirais après, j'ai pas fini. Ah ouais, mais non, on a pas du tout exploré en fait cette zone. On a pris le tuyau et c'est fini, tu vois. Regarde là, ce gros trou qu'on aurait pu manquer. Oh. Ah, ça va, un coup, bien joué. Oh. Ah bah oui, c'est vrai, les fameux. Les champignons. Les fameux champs de champignons. Merci Mario, je trouvais cette situation assez dégradante. Moi, je ne suis pas un vulgaire champignon planté au sol. Je ne suis pas un Toad de Paris, non mais oh, n'oubliez pas mes amis. Ok, il y a encore des trucs en bas. Oh là là, il est mangé dans un Goomba. Mais c'est pas... Non, je pense que c'est une main, en fait. Ah, ah, l'aide. Ok, je vois. Oh, attends. Bah... Mais... Hé hey. Jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où vont-ils aller? Oui, j'avoue, j'avais pas vu ce trou. Ils vont plus vite que moi. Je pense que c'est mort. Non, il est là, ok. Oh bah Mario, heureusement, à l'aide, c'est Goomba, ma chouillure veut pas me laisser tranquille. Et salut à ceux qui arrivent. Oh, oh. Regarde, t'as gagné 10 secondes. Super, c'est gentil. Bon bah ça va, hein. Wow, grosse difficulté là.
Waouh. Ah, mais c'est bon, t'es entraîné maintenant. Oui. Bravo. Super. Ah, j'avoue qu'on a plus beaucoup d'argent. Ouf, merci. Il voulait plus mâcher, je crois qu'il faisait 16 ans. Ses dents. 16 ans. 16 ans. Il faisait 16 ans, lui. Et franchement, tu pouvais prendre le tuyau, Todd. Hein. C'était plus rapide. Bah oui, mais moi, j'ai pas envie de rentrer regarde, un trou dans cet arbre. Waouh. Merci, Todd, de bah, heureusement, mais tu vois, mais tout était clair, bien sûr. Le Todd t'emmène. Le Todd t'emmène pour... Salut, Kent Cool. Le Todd t'emmène pour que tu puisses voir par toi-même qu'il y a des... J'ai trop envie de faire des vrilles pour aller plus vite. Et oui, mais ça me manquait pas dans Super Paper Mario, mais là, dans ce jeu, oui. Mais oui, mais moi aussi. Hein. Après, on est qu'au début, on sait pas. Peut-être qu'il y aura des trucs. Oh, bah, il est mort. Hii, une tête. La malédiction de la tête de Todd est sur vous. Oh non, c'était trop tendant, en vrai. Le reste de mon corps, c'est juste coincé sous terre. Ah ok, je croyais qu'il fallait le reformer. Justement, puisqu'il y a un bras là. Ils m'ont enterré super profond parce qu'ils avaient peur de moi. Je ne vois que ça comme explication. Et maintenant que je suis libre, je vais leur montrer à quel point cette peur était fondée. Et moi, vas-y, frappe. C'est... Tu peux pas descendre? Mais si, regarde. Ah, ok. Oh bah, il dort ou il est triste? Il est triste. Non, il dort. Non, il est triste. Non, il dort. Non, il est triste. Non, mais c'est pas bien d'être triste. Il vaut mieux dormir, tu vois. Ce fichu poisson est parti avec ma pierre fétiche. Examiner. Une petite partie de pêche. Le fichu poisson est parti avec ma pierre fétiche. Je vais aller la récupérer. Je peux t'expliquer comment faire. D'abord, utilise le joystick pour choisir en quelle direction te tourner. Ensuite, tu maintiens et relâches A pour lancer ta ligne avec plus ou moins de force. Oh non. Après ça, il n'y a plus qu'à attendre qu'un poisson approche et commence à grignoter ton appât. Mais c'est bon, t'as entraîné. T'as joué un peu au Ocarina of Time Multi, là, non? Ils sont taquins, comme le chat. Alors attends qu'il monte franchement dedans pour le monter, on a plus une nouvelle fois sur A. Ah. Un peu tôt. Un peu tôt. On sait même pas quel poisson l'a mangé, si. Il a pas dit que c'était un gros ou un petit. J'ai dans Paper Mario Awakening. Pour faire de la pêche. Oh bah ça va, ça t'affiche A direct. Ah ça va, c'est des papiers. Mais c'est un chip-chip. Il est franchement minuscule. Bravo. Vous avez obtenu un dessin de chip-chip. Attends, un dessin de chip-chip. Comme ça, t'as obtenu un dessin de chip-chip. J'ai obtenu un dessin de chip-chip. Ah, le gros est revenu. Non, je vais pêcher le petit. Mais c'est juste un chip-chip. Pas grave. J'espère qu'il fait 25 cm aussi. Il est franchement minuscule. Oh, 23. Ah, il est encore plus petit. Oui, le poisson. Bon. Oh bah non, mais moi je suis déçu, j'aime pas trop les poissons. Regardez-le. Mais il a des pop. Mais pourquoi? Moi je... Mais oui, mais il était trop près. Attends, mais il y a plus de poisson. Si, mais... Ah, oui. Mais moi je voudrais que le gros il repasse. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Non mais oh, il se prend pour qui le poisson là? Ah non. Non mais le poisson gros, il comprend pas. Ah, c'est bon. Oh non, il m'avait vu. Ah, et moi, je... Ah, dommage. Ah, bon. Oh, j'ai cru que tu l'avais raté. Oh, bah d'accord. Ouf. C'est pas grave, tu gagnes plus de temps. J'espère que j'ai trois mouvements. Ouais, ouais, trop bien. Non. Bon, ça sera déjà ça. T'avais combien de placements? 3? 2? Oui, je pouvais encore en faire un, mais là j'étais parti pour 4. Hein. Je fais mal. Je suis sûr, ils ont tous 10 points de vie. Du coup. Des faux poissons? Des faux? Non, je dis n'importe quoi. C'est juste qu'ils sont pliés différemment. Oh, je m'y attendais pas. Ils ont fait quoi? Ils m'ont tiré une grosse bille dessus. Mais non, ce serait bien que... Allez, vas-y. C'est bon, tu les as tous. C'est plus facile comme ça. Plus facile. Saute, Mario, saute! Vous allez voir ce que vous allez voir. Ouh. Super, on l'a gagné, on la garde. C'est la carapapière bleue. Ah d'accord, donc toutes les carapapières vont être ici. Je me demandais si elles seraient dans ici ou si elles seront partout, genre... Dans le monde, genre c'était une quête annexe.
Merci d'avoir récupéré ma pierre fétiche, enfin c'est enfin, ma pierre quoi, enfin, j'imagine qu'il est temps de la ramener au temple, ça te va si je te laisse faire. Puis si t'es pas obligé de dire où tu l'as trouvée, hein. D'accord. Mais oui, mais moi aussi je suis un coupable. Oh, 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 ding dong bling blong, mettez des j'aime sur la vidéo s'il vous plaît. Des dessins des poissons que vous avez pêchés sont exposés au musée. Tu vas où? Je retourne en arrière pour voir si j'ai pas oublié des trous pour accessoirement me soigner un banc et... Ah mais ouais, mais en fait il y a deux chemins. Non. Non? Non, pas du tout. Bah, y a pas un chemin là? Non, c'est une ligne droite. Bah et du coup, il sert à quoi le pouvoir? À avancer plus loin. Là, tu vois, je peux arracher. Ouais, mais à droite, tu peux aller... Bah ça va être peut-être bloqué. Tu ne crois pas que tu devrais sauvegarder ici, Mario? Regarde, t'as vu, même Olivia, elle est pas sereine. Il se passe un truc, là. Mais attends, du coup, le bon chemin, c'est à droite? De toute façon... Oh, c'est fermé. Bah non, mais... Attends... Tu crois pas que tu devrais sauvegarder, Mario? Ah! Oh, oh! Attends, tu... Oui, j'étais en train de dire. Attends, tu peux remonter dans les arbres comme dans Super Mario 64, ben non. Allez, boum, 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 boum. J'ai entendu dire, c'est dommage, tu ne gagnes pas de points d'expérience, mais il n'y a pas de points d'expérience. Regarde-moi cette musique incroyable aussi. Quelque chose ici. Un Toad. T'occupes pas de moi, je sais pas si t'as remarqué, mais le sol vient de trembler et pas qu'un peu, hein. Mais ça a encore annulé ton pouvoir, mais c'est incroyable, tout annule ton pouvoir. T'es sûr que c'était pas fini? Bah non, je pense pas. Non, je pense pas. Oh, mais non, ici c'est le bon chemin en fait. Wow, j'avoue. Bon, on va aller voir ce que fait le. Oui, non, mais là, parce... Bas, parce que. Ça semble être. Comment tu leur shoots dedans? Bah ouais, mais Mario il aime pas les troncs qui sont méchants. Ah, les petits bras musclés, ils ont dit. Allez, les petits bras musclés de Mario. Oh, bah, oh un Koopa qui est mort. Un Koopa qui est mort. Oh là là, Mario, voilà qui est tout à fait fascinant et aussi un peu effrayant. Ce pauvre Koopa s'est retrouvé coincé ici si longtemps qu'il s'est changé en squelette. Et depuis tout ce temps, il tenait la pierre quand même. La carapierre, pardon. Enfin, un squelette bien vivant. Et de toi? Je ne sais pas si, où tu es, ni si tu nous entends, petit Koopa, mais j'espère que tu as trouvé la paix. Parce que vous croyez que j'étais mort, clic-clac, je suis pas un Koopa, je suis un Skellerex et je vais très bien, merci beaucoup. Donc les Skellerex et les Koopas ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. Oh, il avait l'air si paisible, on ne l'oubliera jamais, petit Koopa. Elle en a rien à faire, elle a rien écouté. Eh, mais regarde là-haut. Mais ouais, mais là, il y a... Peut-être que je pourrais me jeter de là-haut. Ouais, je pense. Vous avez déjà 3 carapières, waouh, trop vite, bah on est doués, on est doués. Alors, qu'est-ce que vous faites? Nul. Oh. Un truc. J'imagine qu'on va aller les affronter, hein. Non, tu as tapé notre copain, on arrive. Ah, mais je ne suis pas un Koopa, je suis un Skellerex d'ailleurs, il ne parle pas. Et... Oula, t'as combien d'actions aussi? 2, j'espère. Ah, ils écrivent pas combien d'actions tu as, en fait. Mais si. C'est écrit. Déplacement. Non, moi je parle des actions. Ah. Oui, c'est ça, tu as des actions comme ça. Bah j'en ai 2. Je devrais peut-être dire tour plutôt. Ouais, ça va, ils sont pas très forts. On n'est qu'au début du jeu, voyons. Ah, il y avait une autre vague. Ouh, là, ça rigole moins. Ah. Hein? Ah non, c'est pas bon. Bon, tant pis. Hein. Oh, tant pis. vous êtes bien là. Ouais, vous êtes bien. Excellent. Ah ouais, mais est-ce que tu vas leur faire assez mal? Ah non, ok. Attends, mais du coup, comme c'est pas parfait partout, ça fait même pas de bonus pour eux. Ouais, mais non, ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre, je trouve. Que du coup, bah, ceux qui sont en ligne, ils pourraient subir le nombre de dommages max, tu vois. Oh, ils font mal. Franchement, je comprends pas. Là, il est dur, celui-là, tu vois. Oh là là. lui, comment il est difficile. On fait, hein. Mine de rien, quand tu rates l'énigme, ils te font masse de dommages. T'es puni, hein, t'as pas t'es genre, ouais, donc si tu rates, t'as raté, ok, non.
Est-ce que vous allez faire comme Color Splash? C'est-à-dire, Ethan Titou, dis-nous tout. Est-ce que vous allez jouer? Est-ce qu'on va jouer au jeu? Est-ce que vous allez jouer au jeu et être bon au bout d'un moment? Non, je présente. Oh, 3. En plus, je sais pas ce qu'on a fait de spécial pour Color Splash. Il me semble pas qu'on ait fait un truc spécial en plus pour ça, quoi. Oh, je voulais qu'elle nous parle pas. Regardez, il joue avec le serpentin. Ah, il joue avec le serpentin. Monsieur le Toad, ce serpentin est très dangereux. Vous devriez sans doute arrêter de jouer avec. Mais je joue pas avec. Je suis pas en train de jouer, ma petite dame, je suis coincée. Et comme ça suffisait pas tant que ça, c'est pas le téléphérique, on pourrait plus voyager jusqu'au mont Evermeil. Oh, alors si vous n'étiez pas pris dans le serpentin, vous pourriez nous emmener jusqu'au mont Evermeil. En voilà une info intéressante. Et je parie que le mont, c'est cette montagne rouge là-bas. Bravo, Sherlock. C'est vrai qu'elle est jolie. Sa couleur se marie très bien avec celle de ce serpentin géant. Eh mais... Mario, c'est le serpentin bleu. Ça veut dire que dès que nous aurons fini avec le rouge, notre prochaine étape sera le mont Evermeil. Ne bougez pas, brave Toad, on revient. Enfin, je sais que vous n'avez pas vraiment le choix, mais vous voyez ce que je veux dire. Ne bougez pas, brave Toad, au revoir, Toad. Oh. Ah, on fera le jeu à 100%, bah on va faire notre mieux pour que ce soit le cas. On fera le jeu à 100% sauf s'il y a un truc qui est vraiment trop pénible. Oh là là, c'est n'importe quoi, je trouve, là. Voilà, c'était super. On apprécie. Je vais déplacer eux, là. Tu veux genre c'est bien ici. Je crois que mon cerveau, il a rage-quitté, là. C'est bon, là. Je les mets là, ça, c'est OK. Eux ils vont être bien, là, OK. Eux, c'est OK. Lui, il va là. Et voilà. Moi, je l'aime bien, moi, je lui. Je pense que c'est bien. J'aime bien. Allez, finissons-en, là, ça suffit. Oh, le jeu, il en a marre. Allez, c'est bon. Mais c'est bon, il n'y a pas besoin de faire le casse-tête. Regardez, le jeu, il le fait tout seul. Énorme. Casse-tête résolu. Mais comment ça, casse-tête résolu? J'ai résolu le casse-tête. Moi, j'avais pas le problème. Hein. À la fin, c'était bon. Bah oui, ça va. Il n'y a pas besoin de le faire, ça le fait tout seul. Et du coup, tu gagnes les points quand même. C'est bon. Ah, c'est le super mode des jeux, c'est ça. Non, tu es adepte du super mode qui te montre comment finir le jeu, genre. Tour Belvedere. Tour Belvedere. Bonsoir à ceux qui arrivent. Oh non. Oh, vous m'avez bien eu. Oh, vous m'avez bien eu. J'espère que vous allez pas avoir un bonus d'attaque ou je sais pas quoi. Non, ils en ont plus. Vous êtes nombreux. Mais là, on a 3 actions. C'est pas possible. Je suis obligé d'avoir des bottes de fer. Y'a pas de bonus de combat fait en un tour d'ailleurs. Bah t'as le 0 dégâts donc. Oh bah bravo. Ah bah bravo. C'est pas grave, tu les manges quand même grâce à ton super talisman là. Y'a un moment je dois descendre mais je sais même pas où c'est. Ah bah là peut-être. Waouh, c'est charmant ça, dites-moi. Ah tout. C'est la tour de Belvedere. Ouf, nous voilà enfin au sommet. Ça n'a vraiment pas dû être de tout repos pour toi. J'imagine que tu dois être vraiment soulagé. C'est parti, il n'y a plus qu'à entrer dans cette tour et trouver la source du serpentin et... c'est normal que la porte soit tout là-haut. C'est quand même un gros défaut de construction, toute cette terre, si tu veux mon avis. Mais moi, je ne peux pas voler jusque-là. Eh mais attends, c'est pas la porte qui a été poussée là-haut et le sol qui s'est soulevé tout seul? Faut trouver ce qui a poussé à faire ça. Il y a peut-être un indice quelque part. Ah, un cercle de pouvoir! Regarde, une tortue. Il est lié à l'esprit de la terre. L'esprit de la terre. Mais pourquoi l'esprit de la terre a fait ça? Je pensais que les esprits étaient des créatures gentilles, moi. Oh, tu crois que mon frère l'a forcé à lui obéir grâce à ce cercle de pouvoir? Je te propose qu'on parte à la recherche de l'esprit de la terre et qu'on lui demande de nous aider. Et vous devez nous aider. Allez, va au stade, oh, là. On va au stade. Eh oui, on va jouer au foot. Moi, je veux voir. C'était où qu'il fallait que je saute? Sauter, là. Oh! Ah non, allez, non, vous ne m'aurez pas! Plus malin qu'un lapin, Toad vert. Bien mieux avoir un peu plus de détente. Mais ok, d'accord, oui, mais bon. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est un... Regardez-le. Non mais lui là. Voler, mon but, ah non, c'était de l'argent, d'accord. Moi je croyais que c'était un truc.
On est énervé. On est énervé. Ah, j'avoue que maintenant ils font faire des combinaisons d'ennemis, genre. Bah en fait non, ouais, ok. Non mais parce qu'au début ils étaient ensemble. Oui bah oui, mais je peux faire ce que je veux. Mais tu fais ce que tu veux effectivement. Ça y est, ça commence le. Le on fait ce qu'on veut. Moi je veux le badge plus de dégâts s'il vous plaît. Moi je veux le badge arme incassable. Ah ouais. C'est tu vois c'est pas mal ça tu vois. J'ai hâte d'avoir plein de d'accessoires pour voir tout ce qu'on va pouvoir faire. Ah mais c'est sûr que c'est toujours le truc le plus hypant. Mmh. Bon allez je descends maintenant. Oh il y avait un Toad. Je parie que je suis le premier Toad que tu vois surgir d'un bloc, pas vrai? Non, il fut un temps, les gens disaient que tous les blocs étaient des Toads et... Apparemment ce n'est plus vrai, mais avant c'était vrai. Ah c'est... ces histoires qui changent. C'était le manuel qu'il disait. Mais le manuel... Le manuel... japonais ou le manuel... Oh, je sais plus ça par contre. Probablement le manuel américain, j'imagine. Il disait quand même que les Toads c'était des blocs là. En Super Mario Bros. Premier du nom sur NES. Oui bah Mario pendant toute son aventure bah, il a détruit les pauvres Toads. J'imagine qu'ils ont pas gardé cette idée quand même, genre en mode ouais bon c'est quand même pas très très sympa. Mais... regarde-les là. Oui, il joue au foot. Oh il y a même un tuyau. On joue pas au foot, on se pénépince. Oh t'étais quand même gonflé de se servir de moi comme ballon. Oh est-ce qu'ils vont... oui, bah oui, bien sûr, il vient de t'attaquer. Il en a rien à faire, Toad. Tu emmènes au temple de l'esprit de la terre, de l'autre côté de la prairie, picotin. Mon boulot est de veiller sur lui en prenant un air mystérieux, mais ça c'était avant que je me fasse rouler par ces sportifs du dimanche. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Bon, bah, si là-bas c'est la suite du niveau, ici ce n'est pas la suite. Ouh oh, oh, il joue avec une sphère. Et oh. Attends, ils veulent te passer la balle là? Bah non, ok. Et on. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, non, d'accord, tu dois l'intercepter. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bravo, tu as gagné la... ah bah, c'est la carapière rouge, ok. Oui. Je sais pas combien il y en avait. Bah, c'est la 5 4e. Et il m'en manque une. Ah non, non, c'était la dernière, ouais. Non, il y en a 5. Mais ah bah oui, elle est déjà, la violette. Vous allez faire quoi? C'est intéressant de les tuer. Peut-être qu'il y a un... ah ouais, peut-être qu'ils donneront un truc. Ouais. Oui, c'est vrai que... bonne vie. C'est vrai qu'il y... juste... oula, qu'est-ce que... que faites-vous ici? Ah bon, on va manger ça. On en a plein. Ah oh, oui, oh, d'accord. Mais ça en redonne ça... 50. Quelle générosité. Non, franchement, le badge là pour récupérer les machins à distance, c'est vraiment top. Dans les villes, ok. Qui voulait pas. Ah, ils foncent pas sur moi. Bon, ça va, ils courent pas beaucoup. Ils sont fatigués après tout ce sport. Bah après, tu m'étonnes quand même, hein, je veux dire, là, faire des passes, c'est quand même. Oh bah, il y avait des Toads dedans. Incroyable. Joli poulet, Mario. Mais tu dois être épuisé. Tiens, prends ça. Ah bah, c'est bien. Merci, c'est gentil. Ah, mais là, tu... pourquoi tu les absorbes pas, hein? Tu parles de quoi? Des aspirateurs des machins? Ouais. Bah, si, mais apparemment, c'est peut-être de plus loin, quand même, je ne sais pas. Ah non, tout à l'heure, tu les absorbes pas. Oh, oh, le petit coffre. Hop. Oh, un masque à smacho. Le masque à smacho, mais pourquoi? Macho. Bah oui, bah frappe-moi, t'as déjà entendu parler de l'air guitare, et ben c'est... ben ce qu'on fait c'est de l'air football. Pas de ballon, pas de problème. Ah oui, effectivement. Si tu vois pas le ballon, c'est que tu ne l'imagines pas assez fort. Donc faut faire de l'imétolé avec avec des ballons. Oh oui, le ballon. Bon bah tu vas pouvoir aller dans le Belvedere. Non, dans le temple de l'esprit, pardon. C'est moi qui parle. Ah oui. Ah oui. Ah d'accord, c'est le temple de l'esprit. L'esprit de la terre.
Ah oui, d'accord. Ah mais du coup, il va falloir tout faire au chemin, là. Ça va être génial. Mais non. Le tuyau, il va me... Alors, mettez la pierre rouge. Ah bah c'est... Oh non, je l'ai mis dans le bleu. Elle t'avait avalé par un chip-chip et elle, elle a été vendue par un topi-top. Oh mais non, du coup, ok, c'était complètement obligatoire dans le jeu. Honnêtement, moi je m'attendais à ce que ce soit un genre... Hein... En fait, j'avais deux théories. Genre, c'était là où il y aurait le boss. Donc éventuellement, tu vois, ce serait là où il faudrait continuer le jeu, tout ça, tout ça. Et... Et que l'autre théorie, bah, c'était un truc annexe et qu'on débloquerait au fur et à mesure des trucs, mais non. Quel spectacle! Les carapières ont parfaitement rempli leur mission. J'ai encore plus hâte de rencontrer l'esprit maintenant. Dépêchons-nous d'entrer. Merci infiniment et surtout profite bien de ta visite. T'as la chance de pouvoir découvrir l'expo du temps pour la toute première fois. Ah, c'est les fameuses personnes qui sont un peu tristes parce qu'ils ne peuvent plus redécouvrir un jeu ou un film, genre oui. Franchement, t'as de la chance de pouvoir découvrir le temple de la Terre pour la première fois. Ah, c'est là qu'on fait des dons. Faites des dons. D'après la légende, ce temple n'est autre que la demeure de l'esprit de la Terre lui-même. Il est dit que cet esprit possède un immense pouvoir et qu'il est capable de manipuler le sol à sa guise. Ses qualités l'ont rendu fortement populaire chez les Koopa, car rien suffit à impressionner. Ah, donc ça, vous êtes juste en train de dire que les Koopa, ça va quoi. Moi je veux voir toutes les visites. Le statue et... La roche. Les plus imaginatifs pourront voir une représentation de l'esprit dans cette formation rocheuse. Il n'est donc pas étonnant que cette zone précise soit devenue un lieu de culte pour les Koopa. On dit que la carapace de l'esprit de la Terre est plus solide que cette roche qui est pourtant incassable. Waouh. Oh. T'aimes bien jeter des... Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah oui, bah tu trouves que ce crochet ressemble à un esprit, toi, Mario? Parce que moi, bah du tout. C'est au moins à quoi ça ressemble, un esprit. La griffe de l'esprit. La légende raconte que c'est l'esprit lui-même qui a griffé cette paroi lors d'un combat légendaire. Mario? Si c'est bien toi, Mario? Tu dois me sortir de ce pétrin. Quoi? Oh. Ouah, super, merci hein. C'est pas moi, j'ai rien fait. Bon d'accord, en vrai, c'est probablement moi qui ai tout cassé en essayant de me sortir de là. Mais t'inquiète, tout le baratin est gravé au burin dans ma mémoire. Mets des pièces là-dedans et je te ferai le topo moi-même. Ok, on en était où déjà? Ah oui, et cette histoire de griffure laissée par cette paroi, par l'esprit lui-même. En fait, l'info vraiment importante, c'est que ses coups de griffe sont en réalité son attaque la plus faible. Ah bon bah. Le danger, c'est lorsqu'il crache des rochers. Là, ça peut faire très mal, alors fais bien attention. Ça laisse des traces sur ma... Mais c'est faible, t'inquiète. Ça va. La section qui suit présente un dénivelé qui a été laissé en état par souci d'authenticité. N'allez pas vous étaler, surtout. Bon, j'ai pas vraiment le choix. Ne t'étale pas, Mario. Oh. J'étais venu trouver la lumière, mais pas de toute façon. Ah, c'est bon, j'ai compris. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Des toads partout. Oh, oh, merci Mario, je peux enfin pouvoir sortir d'ici et reprendre des affaires avec toujours pour mot d'ordre solidité, efficacité et qualité. Je suis installé jusqu'à la porte du sortie, passe me voir s'il te faut des accessoires. Oh. Il n'y en avait pas un qui était parti. Bah si, mais il est parti où? Il y en a un à droite, mais... Lui. L'autre il est parti. Mais l'autre moi il est dans son... C'est drôle, j'ai justement lu un livre un jour sur un type transformé en insecte. Crois-le ou non, ça ne m'a même pas du tout aidé à faire face à la réalité des choses. Dans le milieu on l'appelle l'homme insecte. Il a dû partir bien loin en fait. Parce qu'on l'entend même pas. Ah il est là.
peux y aller. Ah non, okay. Il vient tout seul. C'est comme les Scultula de la maison des Scultula dans... Ouais, ouais, ça va, elles viennent, elles partent. Je commençais tout juste à me faire à la vie d'insecte. J'avais trouvé l'endroit parfait pour installer mon nid. Il a juste lu Ocarina of Time, en fait. Le monsieur, le Majora's Mask. Il a lu quoi, la mouche? Oui, non, mais ça... C'est la question qu'on se pose. Merci de ne pas taper la représentation divine. On ne devrait pas avoir à le dire. Wow, ça coûte cher, celui-là. Vous vous trouvez devant la seule représentation au monde de l'esprit dans sa forme la plus glorieuse. La légende dit que là d'être parfait et invincible en tout point, il a choisi de s'octroyer un unique point faible. Après une longue réflexion, il fut décidé que sa queue serait donc seulement à 99% invincible. Est-ce ce savant mélange de force et de vulnérabilité qui l'a rendu si populaire auprès des foules? La réponse est « c'est bien possible ». Sur ces bonnes paroles, la visite est terminée. Merci de laisser un généreux pourboire. Ça me fait beaucoup rigoler. Mais des dents. Parce que la semaine dernière, j'ai visité une grotte et c'était la même chose. C'est vrai? La musique derrière quand il y a des explications. Faites des pourboires. Faites des dons. Faites des dons et des pourboires, s'il vous plaît. Si vous avez aimé la visite, faites des dons. C'était la même chose. C'est tout, tu parles d'un final. Et pareil, là, vous vous trouvez devant tel rocher qui ressemble à blablabla. qui ressemble à la griffure d'un Koopa. Merci de faire des dons parce que voilà, j'ai bien dit. Tu vas sûrement trouver ça un peu bête, mais je crois que ça vaut le coup d'essayer. Cher monsieur l'esprit de la terre, si ça ne vous dérange pas, on aimerait beaucoup que vous enleviez le truc rocheux qui nous bloque le passage. Merci d'avance. Que votre carapace soit à jamais douce. Ou dure. Enfin, comme vous la préférez. Bisous. Bisous. Ça n'a absolument pas marché. Je me suis juste couverte de ridicule. Fais quelque chose, Mario. Ben voyons, Mario. C'est pas... Ben voilà. On devrait pas le dire, mais... Oh là là, oh, t'as fait tomber l'esprit de la terre. J'espère qu'on va pas être maudit sur 1000 générations maintenant! Ah, c'est pas grave! C'est moi où il y a comme un courant d'air? Oh, mais la représentation divine cachait en fait une section entière dans la caverne! Je me demande ce que nous réserve cette zone probablement interdite au public. Je me demande ce que Canon est en train de faire. Tu vas voir qu'il y aura des Toads quand même. C'est ce que je me demandais. Allez, Mario, arrête de tout frapper! D'accord. Je... Allez, t'inquiète, tu approches du boss. Oh! Ouais, mais c'est... Tu peux descendre, en fait. Non! Ah, tu peux descendre, mais... Oh, le fameux... Tu repopes super loin. Salut, Sonic le hérisson bleu. Mince. Oh, ah, les bon. Caisses sont pas... ont disparu. Oui, du coup. Trop bien, Sonic le hérisson bleu qui nous suit. Eh oui. Si ça, c'est pas la classe, qu'est-ce que c'est? Quand on veut être le meilleur de tous, il faut savoir tout faire. Ça va, t'as regagné tes petits HP que t'as perdu. Y'a pas de Toad. Je suis choquée. Pas en même temps. C'est pas grave, y'a déjà Link et Zelda qui sont maudits sur des mille générations. Salut, Baptiste. Oh, t'as vu ça? C'est quand même bien plus impressionnant que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Tu as une irrésistible envie de rentrer dans la bouche, toi aussi. C'est moi qui suis bizarre, peut-être. Oh. En fait, c'est pas à nous de porter la poisse, mais... C'est pas pour nous porter la poisse, mais... C'est pas nous de porter... Ça fait un moment qu'on m'a pas croisé d'Ori Guerrier, non? Vous avez dit Ori Guerrier? Vous avez dit mon nom? J'aurais mieux fait de me taire. C'est nous qui... qui faisons la poisse, ou... Oh, je sais même plus ce que t'as dit. Non, mais je dis n'importe quoi, faut pas m'écouter. Salut Fujibubble. Oh. Oh là là. Facile. Vous voulez que j'attaque un en premier?
Je vais d'abord attaquer eux parce que je le sens pas. Eux, ils sont énervés, tu vois. Oh bah il meurt, c'est bon. Il a réussi. Je regardais pas. Oh bah ça va. J'avais dit pas eux. Eux, je ne les attaque pas. Jamais tu les attaques. Mais c'est des carapaces, ça veut dire que ça va rebondir. Et en fait, ça va, il n'y a pas de mur, donc a priori, ils vont juste tomber du stade, non? J'espère pour eux. Tu vas les tuer, regarde, c'est bon, vu que tu fais 12. D'accord. Ah bah d'accord, ok. Ça. Bon bah c'est... En fait, il fallait disposer une carapace devant chaque Koopa pour ensuite les éliminer en un tour. T'imagines qu'il y aura un truc comme ça? On peut défendre? Oh. Super, un bas-relief de l'esprit de la Terre. Ok. Allez, lui, tu as un coup de marteau, c'est bon. Ça y est, je commence à avoir le pli. Je commence à avoir le pli, oui, bah c'est bien. Est-ce qu'on aime le jeu ou ça va, oui. Pour l'instant, c'est sympa. Enfin, c'est sûr que moi, là, je sors de Super Paper Mario et bah, je préfère largement faire des combats comme ça que les combats... Quoi de... T'aimes pas sauter sur les ennemis? Mais oui, mais non, mais je sais pas, Super Paper Quoi, Mario. Mais t'aimes pas, c'est comme ça dans Sonic aussi? Ah oui, non, d'accord, ça ne donne plus de... Il y a un truc là-bas, mais je pense que c'est plus tard que je dois y aller. Et là... Non, mais je voulais pas descendre à ce point. Le chemin en bas. Oh. Je l'ai senti. Je veux dire, il y a le chemin en bas à gauche aussi. Moi, je pense qu'il n'y a rien en bas à gauche. J'espère pour toi. Ah, des bottes brillantes. Ah, plus fort que le modèle de base, mais inadapté. Il va y avoir un trou. Ah non, ça descend. Bah, du coup, au fond, il n'y a plus les cartes. À la place, c'est des armes qui se cassent, en fait. Oh, le pauvre. Mais au fond, les armes qui se cassent, elles se cassent pas direct, comme ça. Contrairement aux cartes. Tiens, c'est un tas de lunettes. Oh merci, je saurais même pas te dire combien de temps j'ai passé ici. Je suis le conservateur de l'exposition du temple. Je venais voir l'esprit pour rendre la représentation divine un peu plus réaliste, mais faut dire que je suis pas fier de mon... Je me suis fier qu'à mon imagination. Alors oui, l'expo est un gros piège à touristes, mais c'est une raison pour me punir de la sorte. Probablement que oui, en fait. Bref, en tout cas, fais bien attention à toi, d'accord? Incroyable, un Toad avec des lunettes. Waouh. Ah, t'as sauvé tous les Toads. Bravo. Oui, je me dis bravo à moi-même. Bravo. Bravo. Faudrait arrêter la VOD aussi. J'avoue, mais c'est dommage que j'arrête au milieu d'une caverne. Bah, c'est pas grave, on s'arrête là, comme ça. Hein. C'est la fin, au revoir VOD. C'est la fin de la vidéo. Au revoir YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la visite du Temple de la Terre. Bye bye. Salut, salut. Yeah.